méditation guidée, se relier à ses guides spirituels par le développement des chakras. Vous vous placez dans une position assise ou allongée confortable, favorable à la méditation, à la détente. Vous prenez plusieurs respirations amples, profondes, afin de relâcher toute tension. Du haut du ciel, voyez une sphère de lumière blanche descendre au-dessus de votre tête. La sphère de lumière émet un rayon blanc qui descend vers vous. La lumière pénètre dans votre crâne, détendant toute la masse cérébrale. Les muscles du visage sont pénétrés par la lumière et relaxés. Voyez, sentez la lumière et la détente se répandre dans votre cou, vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts. La lumière se répand dans la poitrine, la région du dos entre les omoplates, tout le ventre, la région lombaire, les cuisses, les mollets, les pieds et les orteils. Puis maintenant, voyez un magnifique lotus blanc s'épanouir au-dessus de votre tête. Les pétales ouverts en réceptivité à la lumière d'en haut. Le lotus blanc brillant est entouré d'un halo violet. Restez quelques instants concentrés sur cette image. Le pur lotus blanc, flottant dans l'espace au-dessus de votre tête, symbolisant votre capacité à vous relier à vos guides spirituels. Voyez le halo violet autour du lotus. Je vous laisse quelques instants concentrés sur ce pur lotus.
Soyez attentif. Soyez présent à votre méditation. Maintenant, vous vous concentrez sur un petit point bleu indigo situé au niveau de votre troisième œil entre les deux sourcils. Ce petit point bleu qui ressemble à une pierre précieuse est entouré d'une lueur dorée. Je vous laisse quelques instants contempler ce petit point bleu entouré d'une lueur dorée. Soyez présent. Soyez attentif. Maintenant, vous vous concentrez sur un cercle bleu ciel situé en avant du cou. À y voir de plus près, ce disque bleu ciel ressemble à une rosace de cathédrale. Concentrez-vous sur cette rosace bleu ciel au niveau de votre chakra de la gorge. Soyez présent.
Soyez attentif. Maintenant, portez votre attention successivement sur le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, le chakra du sommet du crâne. Plusieurs fois, sommet du crâne, troisième œil, gorge. Gorge. Troisième œil, sommet du crâne. Maintenant, visualisez comme la pointe d'un entonnoir, mais sous forme de lumière qui prend naissance dans la gorge et s'épanouit vers le haut. Cet entonnoir d'énergie prend naissance dans la gorge et s'élargit vers le haut pour s'ouvrir au-dessus de la tête. Vous avez l'impression que tout votre être est attiré par cet entonnoir. Vous vous sentez aspiré vers le haut, vous élevant au-dessus de la terre dans une sorte de tunnel de lumière. Vous flottez dans un espace étoilé. L'immensité du cosmos vous entoure. Vous percevez une étoile qui vous attire plus particulièrement. Vous volez vers cette étoile, vous vous en rapprochez à grande vitesse. Bientôt, vous survolez cet astre qui est une planète. Lorsque vous parvenez à la surface de cette planète, vous percevez l'un de vos guides spirituels qui vous accueille. Avec lui, vous vous sentez en confiance, il peut vous faire voir des paysages, vous montrer des choses riches d'enseignements. Je vous laisse quelques instants en compagnie de ce guide spirituel.
maintenant, vous décidez de retourner dans votre corps physique, vous saluez votre guide spirituel, vous avez l'impression de vous élever au-dessus de la planète. Vous percevez de nouveau le cosmos autour de vous. Bientôt, vous avez l'impression d'être aspiré vers le bas dans un tourbillon de lumière. Vous réintégrez votre corps physique. Vous prenez bien conscience du va-et-vient de votre souffle. Vous ressentez la posture de votre corps. Vous sentez bien l'espace entre vos deux sourcils, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pieds. Vous ouvrez les yeux quand vous voulez, la séance est terminée.